donne-nous tout. Braque-le sa mère. Dépêche-toi. Eh, dépêche-toi, je vais t'arracher ta grand-mère la choupetta. On est juste à côté, franchement, ça va bien. Écoutez, moi ferme ta mère et vas-y. Va là-bas, va là-bas. Va là-bas, je vais te graille. Ah, t'as pas peur de moi? Ah. Aïe. Niquer ta mère. Arrêtez. Oh lolo. Aïe aïe aïe, ça c'est cool. Sa merde, j'ai bu de l'eau. J'ai bu la tasse. Sa merde, j'ai bu la tasse. Tiens, il y a tout tape dans le dos. Quoi? Spider-Man. Aïe 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 aïe. Ouais, nique ta mère toi. C'est qui lui? Pardon, je me rends. J'ai fait des guiri. Force à toi. Wesh, il court normal. Il a fait une... Il a fait une chute de 6 mètres. Okay, bon, allez, tenez. Je donne la plata. Oh, ok, laisse-le. Je donne la plata. Contre les murs. Donne-lui un peu, je donne à son collègue, moi. Pardon, Tarzan. Vas-y, mettez-moi. Guili. Tiens. J'ai ton collègue, de toute façon. Il m'a raté. Il m'a pas vu. Il m'a pas eu. Je vais pisser. Oh, ils arrivent. Oh ouais, monsieur. Dégage. Je vais scier. Monsieur, dégage. Mets-toi en face de moi. T'es tellement classe en même temps. La gueule. Ouais. Allez. Et moi, qu'est-ce qui se passe? En gros, je t'explique. Nous, on est une petite bande de cons où vend de la drogue. Mmh. On a fait une grosse commande. On n'a pas de quoi la payer. Mmh. Et ils nous ont dit, bah, si tu payes pas, ce soir, on va venir chercher les sous nous-mêmes. Et c'est à qui? C'est à qui, ça? Tu as passé la commande? Je dois te dire, vraiment? Bah, je sais la plupart des gens qui... Je veux savoir qui c'est qui. C'est les Mayans. Les Mayans? C'est combien que tu dois payer? En tout, 1 945 000. On a déjà 800 000. La, la, la. On a déjà 800 000, c'est déjà ouais, ça. Tout, comment ça, des assassinats? Zoni a l'idée même. La photo, 4K, beau gosse. J'amuse, menacer des petits, ils ont peur. Quel petit? Ayoub. Ouais, ça se pourrait, parce qu'ils me doivent 2 millions de dollars. Il m'a dit clairement, hein, clairement de sa bouche, c'est un problème avec Mayans. J'ai dit oui, avec Jean-Luc. Il m'a dit, c'est qui Jean-Luc? J'ai dit comment? J'ai dit, tu connais pas Sandic? Il m'a dit non, je connais pas. J'ai dit, écoute, tu connais Bichou? Il m'a dit oui. J'ai dit c'est ça. C'est Jean-Luc. Bon. Alors ensuite. Alors ensuite, mon petit. Ne m'insulte pas. Bonjour monsieur. Hola. Vous êtes? Bien. Ça si. Va très bien. C'est Galerio. Oui, pas de soucis. Galerio, monsieur. C'est pas vous, Lufio? Non. Non, ah, monsieur, okay, Galerio. Je vais vous demander d'aller vous rhabiller s'il vous plaît le plus. Ouais, s'il vous plaît, excusez-moi. Un magasin en face de vous. On n'est pas à la plage. Pas une tenue d'attente. C'est une agréable soirée, monsieur Galerio. Allez, venez, monsieur. Au revoir. Ça dit quoi, les lobchats? Eh, casse-toi, il prend des putains. Ça va bien et toi? Oui, je vais m'en occuper personnellement de cet enculé. Dégage. Eh, vous m'avez trop manqué, la vie de ma mère. Détends de ce putain de capot, il faut des putains. Oui bien. Eh, il a quoi lui, il a sa cassez-vous avant que je change d'avis, cassez-vous maintenant. Dégage. La vie de ma mère, eh, la vie de ma mère, t'as la vie de ma mère, t'as une tête de requin marteau, frère, arrête de faire fou aussi. Casse-toi avec ta voix de crécelle, va chanter petit castrat de merda. Y'a une réunion? Allez, dégage. Enferme, t'as fait quoi? Comment ça, je vais faire quoi? Je vais te péter la gueule. Viens sur le côté, viens. Il faut des putains, viens là. Eh, vite enculé, fils de pute. T'es mort, fils de pute. Je vais te laisser ta mère là-bas. Oh, t'es mort, fils de... Vous êtes putain de mort. Dégage, avant que je change d'avis. Eh, Johnny, on t'a pas repris, là. Calme-toi, là.
Ma conscience que le premier exil est un cadeau qui a été fait et qu'il n'y aura pas de deuxième. J'ai eu l'occasion de réfléchir, présidente. Mouvement habile de votre part. Il était le cartel m'en voulait, les gens m'en voulaient, vous êtes... vous m'avez mis à l'abri. T'as mal tout lourd, tu sais, amigo. Yeah. C'est pour ça qu'il va falloir que tu travailles d'une manière un peu particulière. Il va falloir que tu mettes un képi, que tu mettes des soleils et que tu te mettes un foulard de miliciens sur la tête. Hein. Je comprends. Il va falloir que tu gagnes la confiance des gens de Caillou petit à petit. Entendu, présidente. Je ferai... je me mettrai corps et âme à ma tâche. Muy bien, muy bien. Dans ce cas, bon retour à Caillou Perico, ne fais plus jamais l'erreur et puis je te souhaite le courage du monde pour gagner l'amour des Pericogno à nouveau. Si. Mais... Présidente. Oui. Est-ce que les mots n'ont pas la valeur que je souhaiterais leur donner? Je vais vous donner la chose la plus précieuse qui me reste. Une photo de mon fils qui est mort pendant la Révolution. Bien, amigo, mais tu ne veux pas les garder près de toi? Il s'appelait Gabriel. Présidente. Ah! Et te rendrai cette photo le jour où tu pourras te balader à Caillou Perico de manière libre dans le cœur de Perico, d'accord? Puis, honoré de vous revoir. De même, papa Chango, de même. Fais du bon boulot, ne te trompe pas, hein? Il était mignon, le petit Gabriel. On était plusieurs gangs sur le, sur ce, ça, on est d'accord? Et c'est concernant la... plusieurs. C'est concernant la drogue. D'accord. Tu vois, là, j'en apprends plus, du coup. Eh ben, super. C'est bon, on a juste fini? Pour de la drogue. Non mais je vais pas te donner d'informations. Je te dis que Céliane, okay, j'avais des problèmes avec lui. Je les ai réglés hier. Basta. Pas de soucis. Bon, on va finir la discussion ici. Blaze, t'as quelque chose d'autre à rajouter? Moi personnellement, vous avez tiré sur notre gars. Peu importe les raisons, je m'en bats les couilles. Mm-hmm. Mon gars à ma gauche, il a pris des balles. Et bah votre gars va prendre des balles aussi. Et pour œil dent pour dent, tu connais, c'est toujours été comme ça. La réciprocité, je suis d'accord. Et voilà, puis après, no problème. Fais ce que vous voulez. Hein. Vas-y, allez, bouge-toi. Je t'en prie. Voilà. Ouais, c'est bon. Allez, je t'écoute. Admettons que actuellement tu nous dis toute la vérité. Ok. Contre l'âge, tu penses que ça va se passer comment? Tu veux que je te dise le programme? Ça va être simple. J'ai fait l'acquisition d'un voilier il y a quelques jours là. Je prends mon voilier, je rejoins un vieil ami qui s'appelle Gordon, je fous le camp. Je te dis que je fous le camp, moi, je jette pas cher de ma peau, je reste maximum deux jours, je prépare mes affaires et je me casse. J'ai des identités du service secret de Caillou Perico. Ouais. J'ai deux noms. Sûr de leur identité. Il y en a un qui s'appelle Paco, et l'autre il s'appelle Martins. Ils se font passer pour des jet-setters dans le monde de la nuit. Mais c'est des putains d'agents secrets. Et j'ai remarqué des choses vraiment très bizarres un soir là où je me baladais. Et écoute, il y a un mec là, ici, tu vois, tu connais les trois frères Brabus là, les trois guignols? J'ai bien l'impression que la princesse, elle est bien proche des frères Brabus. Alors pourquoi? Je pourrais pas te dire quoi. Mais il y a un Brabus qui a sommé de gonzesse là-haut, de sang-froid. Et la princesse, clairement, elle a redonné leur faveur, tu vois ce que je veux dire quoi. Ils sont repartis blancs comme une feuille. Il y a ce charmant monsieur salut, ça va, qui trouve que nos tenues n'en sont pas assez oh, sexy. Madame. Et du coup, le boss, il veut qu'on aille se changer. C'est moi-même. Allez vous changer. Il manque les talons, apparemment, mon pantalon, ce que je veux dire. Pas assez, il faut que ce soit plus court. Les talons, on va pas travailler en talons. Ta gueule, c'est moi, boss. Écoute, petite poutre, tu vas te changer. Le pute, c'était peut-être pas trop obligatoire. Zati pout. Tu vas aller te changer. Allez-y. Bonjour monsieur, enchanté, vous allez bien? Ça va très bien, vous? Bah les couilles. Hein? Je m'en bats les couilles que tu vas bien. Écoute-moi bien, fils de pute. Tu vois que je t'enseigne là-bas avec ta moustache de Saint-Pralette? Écoute, je suis jeune, j'ai pas de barbe, c'est de ma faute. Non, j'ai... Quel âge? En ce moment, je suis sur un délire huile de ricin, ça marche ça? Huile de ricin? Ouais. Je connais jus de ricin, mais huile de ricin, je connais pas. De ricin, tu sais pas c'est quoi? Mm-hmm. L'huile que tu mets sur la peau et après ça... Je m'en bats les couilles. Ah, ouais. J'ai une question. Mon nez, vous le trouvez comment? Bah franchement, puce à grand-mère. Hein. Sa mère, hein. Voilà. On dirait que t'es parti à Dubaï, t'es revenu, enfin voilà, bref. Voilà, le même nez comme Eva Glam. Le même nez. Ouais, je pense qu'on va vite y aller. Mais pas les mêmes fesses. Voilà, dommage. Dommage. Non. Dommage. Ah, dommage, l'inverse. Dommage. T'as vu là, ça a fuité là, c'est pas beau. Hein. Oh, je m'en bats les couilles, si ça fuit, je bois. Je bois le cul. C'est normal. Juste un peu moins. Moi, je suis mal placé pour parler de nez. Moi aussi.
Attendez, je peux inspecter. Ah nous, ils sont balèzes. Ah nous, c'est balèze, c'est né Algérie. C'est un vrai né de... Voilà, né d'Algérie. Mec de Wahran. Voilà, mec de Wahran. Ouais. Ça sent le rail dans les rarines. C'est de quelle origine? Ah, Algérie, Sénégalais. Ah, je suis Sénégalais. Bonsoir, ça va madame? Ouais les gars. Regarde son pif. Regarde son pif. Pourquoi on juge mon nez là? Pourquoi on juge mon nez? Zabi, Voldemort. On en parle de tes cheveux? Bah c'est grave bien ces wesh. Voilà, y'a classe. Bon, heureusement vous faites vous avez bref. On va pas parler non plus de ton jean troué et tes vieilles chaussures, vas-y bref. On juge beaucoup ici. J'ai même pas envie de te terminer, t'en vaut même pas la peine. Eh ben j'en vaut pas la peine. Vous êtes habillé comme en 2010? Ah, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Oh là là. Ah, je suis vraiment désolé. Il est où là le chef là, cannibale? Vous êtes où? À qui? Si, hola. Oh merde. Hola cannibale, comment tu vas? Oh merde. Putain. Ça va et toi? Ça va et toi? Ouais, ça va, ça va, ça va. Alors on est venu il y a 3 jours. Hein? On est venu pour une petite choupette, et on va pas payer là. C'est qui lui? Ouais. C'est qui elle? C'est qui elle? Elle, c'est... C'est qui? Ma petite. Oui bah ta petite, ta petite, ta petite. C'est pas ma chérie, t'inquiète, t'inquiète. Ah bah très bien, parce que là j'allais vous dire des choses. Hein. Bon, non, cannibale, donne-moi la thune, oui. Mon salaud. Comment? Venez. Viens avec moi, viens. Plutôt bien monté, oui. Pas de fois, mes gars. Ouais, désolé, excuse-moi. Arrête de faire comme ça devant mes petits, je t'ai dit quoi la dernière fois? J'ai pas aimé. Ouais mais tu viens ici, tu cries, tu passes pour quoi là? Oui mais attendez, mais tous les réfés là, vous prenez pour qui? Hein? Vous venez, ça vient me déboîter mais ça vient pas me payer. Hein? Une petite choupette à part ci, une petite choupette à part là, bah écoute. Hein? Bon, ça va. Je me tais. J'ai mis Popite en plus pour venir à fond. Hein. Oh là là. Eh, je peux te dire que, à l'aiguille du compteur, j'étais à 193. Hein. Et les panneaux, je les ai vus. Hein. Vas-y, comment je te dois? 5000. Cher, hein. Ah oui mon salaud. Tu payes le luxe? Écoute, mon cul c'est du Gucci. Je reviendrai plus d'accord. Ouais, reviens plus ici hein. Ok très bien. Allez par toi. Comme au bonnet là. J'habite au 132 rue là avec le chapeau là. 132 rue. Kelvin, si tu veux passer. Tu peux venir avec tout le groupe. Allez, hein. il est pas content okay, de sa coque lui. Allez partons. Oh là là, quelle moustache. J'ai la même dans le pantalon. Allez salut. Salut. Allez on va retourner. Il est bien rentré dans le jeu Hama. Oh allô. Ouais c'est juste pour te prévenir que je vais rentrer donc malheureusement si on se revoit pas Ah si ok, pas de soucis, mais écoute, bon voyage à toi, puis bah peut-être à une prochaine. Ah ouais c'est tout. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah c'est pas, moi j'ai senti un petit rapprochement entre nous deux et... Bah, okay, vas-y dis-moi, qu'est-ce que toi tu voulais dire? Bah moi en gros vas-y. Si on refait la conversation, vas-y, toi fais Kurt et moi je fais Luna, ok? Si, je vais repartir à Los Santos, je ne sais pas si je vais revenir. Oh déjà, tu pars, yo? Si, je m'en vais, il faut que j'aille retourner au travail. Oh non, mais yo, on avait tellement de choses à construire ensemble, putain! Sentez une harmonie entre nous deux! Si, je suis désolée, mais tu sais, j'ai énormément de boulot, hein, vraiment, et j'ai pas le temps pour les chicas. Mais... Oh, mais moi, je suis pas une chica comme les autres. Je suis quelqu'un si, d'exceptionnel. Que tu as de plus que les autres. Ben, yo, carrément, un énorme boule. Ok. Et comment t'as eu l'idée de créer Adidas, alors? C'est en fait, écoute, ça. Une fois, il y a eu des... Attends, décarte-toi, laisse passer les gens. Alors, les piétons, ça piétons. La mare. Non, j'ai pas fait de bêtises. Hein? Tu fais des bêtises, Lamar? Non. Non. Non, putain, il m'a pas fait de bêtises. T'as fait des bêtises, putain. Je te promets. Hola, señora. Bonjour, madame. Hola, le gros. Oui. Il représente vraiment son pays, un pays de. Je rigole, señor Lamar. Je rigole. J'ai peur. Oh, salut. Mais yo, t'as changé, Bob. Ah bah je suis en vacances. Mais yo t'es pas contre les vacances il y a pas longtemps. Quoi? T'étais pas contre les vacances il y a pas longtemps. Tu veux pas un McDo plutôt? Ah non. Bon, allez, maman. Il y a pas de McDonald's ici, j'ai déjà demandé. Seigneur, bon, allez, bon, il y en a vraiment pas. Mais en fait tu pas tu yo. Chut,
Vas-y, gradué, dis-le, dis-le, dis-le. Mais non, faut pas lui mettre une coup de pression, je m'attaque à quelqu'un de plus faible. Yo, reste tranquille. Tu crois que je t'ai pas vu? Tu parles allemand? Ouais, je parle à toi. Yo, reste tranquille. Tu crois que je t'ai pas vu? Moi, je te nourris gratuitement hier et tu me mets des pressions comme ça. Non, non, pardon. Fils, ah non, pardon, ah ouais, pardon, là, désolé, Juan. Non, pardon. Non, mais c'est bon, non, mais c'est bon, ok. Tu fais la gueule. Yo, c'est bon, c'est un... Aïe. Aïe. Yo, tu mens, tu crois jamais dans la main qui t'a rinou, t'as compris? C'est vrai, ouais, j'ai compris, c'est comme si je cassais ce madawan en fait, donc oui, là, je suis désolé. Je suis désolé, man. C'est bon, il était parti. Doucement, doucement. Où est l'argent? Où est l'argent? Ça y est, il est dans la mallette, mais par contre, on va négocier. Eh, hey, doucement, il est où l'argent? L'argent, il est où? Arrête de pointer. Monte l'argent, monte l'argent. L'argent est dans une mallette, mais Raphaël. Elle est où la mallette? Aucune mallette là. Eh, la mallette. Déjà, rangez vos armes, rangez vos armes. Je vais tuer le gars, Mais il est complètement excité, ton pote, tout ça se passe comment? Rangez vos armes, sinon ils vont fumer le petit là. Rangez vos armes là. Va montrer la mallette à côté de la moto. La mallette, elle va pas bouger de la moto. De la mallette. Envoie la mallette. Parle là-bas. Écoute. Envoie la mallette. Pourquoi tu le braques? Envoie la mallette là. Tiens, prends la mallette. Viens, je la pose. Hop, j'ouvre. Ouvre-la, viens, aide-moi. Hop, j'ouvre. Quoi? Y'a pas un billet. Ouais, les billets. Ramenez-lui la lève tes mains, mon refton. Mais c'est en fait le problème, c'est que t'as pas compris. C'est pas moi qui ai la mallette. Allô, c'est pas moi qui ai la mallette. La mallette elle est vide. C'est pas moi qui ai la mallette. La bonne monnaie ça, regardez ça. Compte à combien? Vous êtes bien là. Regarde-moi ça. Je te donne même un échantillon. Il y a 2 millions faciles. La mallette elle est vide, il nous ment. Regarde. La mallette elle est vide, il nous ment. Regarde, comment ça, regarde-moi ça. Mais c'est des pessoas, c'est des pessoas que tu me racontes. Je sais pas, quelque chose, une arme, un truc de valeur. Ah non, ça par contre, je suis pas d'accord. Exactement. Tu vas signer le contrat d'honnêteté, ok? Tu vas signer ce contrat. Par contre, ce que je suis en train de remarquer, c'est que messieurs, vous pouvez sortir vos flingues étant donné que le gosse vient de s'échapper juste derrière vous. Exactement. Non, tire pas! Le gosse vient de s'enfuir. T'as vu, j'aurais pu te buter, je l'ai pas fait. Ouais, et j'aurais pu te tirer, mais tu vas tirer. Ah non, le gosse vient de partir, soit maintenant tu... T'es fou, moi, je vais arrêter, moi. Non, on laisse Thomas, je vais m'énerver. Ça va arriver, ils arrivent, fais attention. Pointez les deux devant, retournez-vous, pointez, arrêtez d'être tranquille. Ne tirez pas. Ils ont le gosse. Eh, dis-le de redescendre, y'en a là-haut. Je peux t'assurer que vous allez tous y passer. Non. Voilà. Voilà. C'est qui commence à ouvrir le feu? Reprends son chapeau. Enfoiré.